Ça va, cool les filles, j'espère que vous allez toutes bien. Donc aujourd'hui, je vous reviens avec un nouveau hijab tuto pour la marque Museline. Donc c'est une boutique sur internet et sur Facebook et sur eBay. Donc je vous ferai une revue pour mieux vous en parler juste après cette vidéo. Je vais commencer par ces deux hijabs que j'ai reçus. Donc j'ai reçu d'autres hijabs que je vous montrerai un peu plus tard dans la vidéo revue et où je vous ferai aussi avec des hijabs tuto dans la semaine, Inch'Allah. Donc. Alors ces deux hijabs, c'est mes petits coups de cœur parce que j'aime trop. Voilà, ce que j'aime chez eux, c'est ça, ce petit truc-là. Donc je trouve ça trop trop beau. Donc la sœur m'en a envoyé deux. Et donc je vais vous faire un hijab avec ces deux foulards-là. Alors, on va commencer avec en mettant le noir. Donc en fait, l'effet que je veux, c'est vous montrer quoi, c'est un effet noir-blanc, noir-blanc, noir-rose, noir-rose. Donc on prend celui-là, qu'on ramène ici. On prend une pince comme ça à chignon et on prend les deux, on prend le bandeau avec le foulard. Donc voilà, ensuite on prend une pince simple et on attache le foulard avec. Ensuite, deuxième étape, on prend le rose et on fait la même chose. Donc, juste on met comme ça pour avoir l'effet qu'on souhaite. Toujours une petite pince comme ça à chignon. Et on prend le tout. La pince d'un chignon m'a glissé des mains, désolée. Bon, voilà. Je crois qu'elle s'est bloquée avec un truc. Ah là, non, c'est bon. Je crois qu'elle n'est pas bien forcée. Donc voilà. On ramène le hijab comme ça. Donc déjà on voit qu'il y a déjà cet effet souhaité en fait du rose, du noir rose. On prend encore une pince. Donc voilà. Ça c'est le premier étape tout simplement. Donc voilà, on l'attache. Ensuite on ramène donc le noir comme ça tout simplement. On prend encore deux petites pinces, on attache. Donc voilà, le noir est là, le rose est là. Donc on vient. Donc déjà, vous pouvez voir que cet effet, moi personnellement, je trouve que ça ressort super, super beau, quoi. Après, vous me direz votre avis juste en bas de la vidéo. On prend encore une pince. Alors. Voilà.
juste pour pas. Après, je vais me lever pour vous montrer l'effet final. Voilà. Donc, je trouve que c'est une façon de. Un hijab tuto, autant pour si on a invité quelque part. Que pour la vie de tous les jours. Après, c'est à vous de voir comment vous désirez le mettre. Mais moi, je pense qu'on peut le mettre autant pour un mariage que. Et là, sur le coup, au moins, on a besoin que de foulards, pardon, et pas de plein de bandeaux pour faire cet effet plusieurs couleurs. Donc voilà, je vais me lever pour vous montrer comment ça fait. Ça donne quoi? Donc vous avez vu, en 6 minutes, même pas, on peut le faire, quoi. Donc voilà. Je trouve ça plutôt joli. En plus, ça fait cet effet de couleur que j'aime bien. Donc, vous me direz ce que vous en pensez, vous, de votre côté. Donc voilà. Donc on a les deux de ce côté-là. Qui est juste un plus long que l'autre, comme ça fait pas trop chargé, et au final ça envoie une différence entre les deux, quoi. Je vous montre. Donc voilà. Voilà, j'espère que ce hijab tuto vous aura plu, et donc je reviens avec une revue. Salam alaikum les filles!